hard at work tending the vines, cultivating what could be a big export earner for Morocco, if only there was the money to expand. For the moment, bottles of French Sancerre or New World Merlot are on supermarket shelves, but you're unlikely to find an Essaouira white. Helping agribusinesses will be part of the EBRD's focus in Morocco. Ahmed Adibi is the manager at Les Domaines de Val d'Argan. They've been producing wine here for decades. He'd love to see a chilled glass in your hand. On aimerait bien planter plus de vignes pour avoir plus de production, parce que jusqu'à maintenant on est un peu handicapé avec ce qu'on produit. On produit les environs de 140 000 bouteilles par an, ce qui n'est pas suffisant pour l'instant pour nous, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on produit, on le vend sur le marché local. On est sollicité partout dans le monde, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, mais on n'a pas assez de produits pour faire de l'export. C'est-à-dire on a plus de fonds, c'est-à-dire on peut travailler sur le marché export aussi, c'est-à-dire on va planter plus de vignes, on va avoir plus de production, on peut attaquer le marché export. Le propriétaire a un rêve de faire produire des liqueurs de vie, c'est-à-dire on doit acheter une distillerie qui coûte les environs de 4 millions de dirhams. Et on a demandé des prêts, mais vu notre chiffre d'affaires, on ne peut pas avoir une telle empreinte. Et il faut beaucoup de paperasse, beaucoup de garanties. Ahmed says the vineyard could triple in size and employ up to 150 workers, supporting their families. Trying to improve small and medium-sized companies will be at the heart of EBRD activity in Morocco. Ça va nous permettre de produire plus. Au lieu de produire 140 000 bouteilles, on va produire 2 à 3 millions de bouteilles. Ça, on va conquérir l'Europe, les États-Unis, Canada, pourquoi pas le Japon ou la Chine. Big ambitions, given that it's hard to find these wines even in Marrakech, just a two-hour drive from the vineyard, let alone on the other side of the world. But it's the sort of bold entrepreneurial vision that the EBRD values.